Elle n'est pas encore en service, mais on peut déjà la visiter. Voici la rame qui va desservir les 21 nouvelles stations de la ligne C du métro toulousain, 27 km de Colomiers à Labège. La construction de cette ligne, lancée fin 2022, regroupe une quarantaine de chantiers qui avancent simultanément. Celui de la station 7 de Niers, stade toulousain, est l'un des plus importants. Comme les autres, il se compose de trois phases. Première phase, ce qu'on appelle le génie civil, c'est-à-dire on fait les murs des stations, on fait le tunnel, donc tout ce qui est à base de, j'allais dire, de béton, de façon assez, assez basique. Deuxième élément, c'est la finition, donc c'est l'aménagement à l'intérieur des stations et l'aménagement en surface. Et la troisième phase sera les essais. Et tout ça, ça va nous amener jusqu'à fin 2028 pour la mise en service de la ligne. Il n'y a pas de temps à perdre. Les travaux de fondation sont en cours, avec la construction de l'enceinte de la future station de métro. Sur ce chantier, on travaille de 7h à 22h. Il y a 120 collaborateurs qui travaillent actuellement sur le site, avec donc des équipes qui assurent les postes du matin, des équipes qui assurent le poste d'après-midi, et une trentaine d'encadrantes qui sont directement basées sur le site pour coordonner toute cette équipe terrain. On essaye d'être les plus efficaces possibles et de tenir notre planning sur les deux prochaines années. C'est un bel enjeu. Le chantier de la troisième ligne de métro a été certifié HQE, entendez haute qualité environnementale. Tout est fait pour limiter l'impact des travaux, qu'il s'agisse du voisinage ou encore de la faune et de la flore. Une attention toute particulière est portée au traitement de l'eau. Là, en fait, il y a trop d'eau et les larves ne se développent pas, quoi. Toute l'eau qui rentre sur le chantier n'a pas le droit de sortir si elle n'est pas traitée. Donc on a, comme on le voit ici derrière, un bassin de rétention où on va contrôler tous les paramètres de l'eau. Et tant que cette eau-là n'est pas redevenue avec des paramètres normaux, on n'a pas le droit de les sortir du chantier. Donc on a des capteurs qui mesurent en permanence les critères. Et s'ils sont bons, on peut remettre l'eau au niveau des eaux usées. S'ils ne sont pas bons, on doit continuer à traiter ça dans ces bassins de rétention. Les travaux de la ligne C vont durer 6 ans. Au fil du temps, le budget est passé de 2,7 à 3,4 milliards d'euros. C'est le deuxième plus grand chantier de métro en France après le Grand Paris Express. Sur cette troisième ligne, Tisséo prévoit une fréquentation de 200 000 voyageurs par jour. L'investissement, il est à reporter d'abord à ce que ça apporte et ensuite dans le temps. Là, on crée un outil qui sera fonctionnel à plus de 50 ans avec des progressions énormes de capacité. La ligne A, la ligne B, ils sont à 230 000, on peut aller jusqu'à 400 000. La ligne C, elle va commencer à 200 000, on pourra aller jusqu'à 600 000. Donc on a 30 ans de prospective grâce à ces outils-là. Construire une ligne de métro est complexe, car il faut tenir compte de l'environnement urbain, notamment quand les travaux ont lieu en plein centre-ville.